Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien, cher abonné. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet important, alors prends en note. Et je te laisse découvrir par toi-même, bien sûr. Tu es le reflet de ce qui t'est arrivé dans la vie. Alors, remercie toutes tes épreuves bienveillantes. Important. Ceux qui t'empêchent de réussir dans la vie sont ceux qui t'aident à le réussir sans le savoir. Alors retiens bien ceci et prends-en note, avec gratitude d'ailleurs. Il y a une citation que j'adore et que je vais partager avec toi aujourd'hui. C'est « Ton passé est ton carburant, ton présent est ton volant et ton futur est ton moteur. » Alors retiens bien ceci. Alors je vais analyser avec toi un domaine, celui d'un enfant dans la vie qui apprend des choses, des éléments important pour se construire, se forger une carapace, se forger quelque chose dans son avenir également, un métier par exemple. Alors cet enfant, pour apprendre, il souffre. Par exemple, son papa lui dit de manger à table. Et s'il ne mange pas, il n'aura pas de yaourt. Et bien il passe justement par la souffrance pour apprendre certaines bonnes habitudes. Et de ce fait-là, ça lui permet d'intégrer les bons codes sociaux également. Dans la vie. Donc voilà, on souffre tous à un moment donné dans notre vie et c'est important de savoir qu'on n'est pas tout seul à souffrir à ce moment-là. C'est une petite parenthèse, on va dire. Alors, petit partage d'expérience pour toi que tu peux retenir. Mon grand-père est décédé en 2015 car il fumait de la cigarette et il buvait de l'alcool également. J'en ai terriblement souffert lorsqu'il est décédé d'ailleurs. Il s'appelait Christian, c'était un fonctionnaire de la police nationale. Et aujourd'hui, ce que je veux t'expliquer, c'est que j'en ai tiré des leçons. J'ai utilisé cette force négative et je l'ai convertie en positive. Alors comment j'ai fait? C'est-à-dire que j'ai tellement souffert que du coup, je n'ai jamais fumé de ma vie et jamais bu une seule goutte d'alcool également. Alors il y a un deuxième partage d'expérience que je vais te partager aujourd'hui également. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai traversé le harcèlement à l'école notamment, lors de mes études. Et ce que tu dois savoir aujourd'hui, c'est que je me suis inscrit à la salle de musculation, la salle de sport on va dire, pour pouvoir avoir une revanche sur la vie et finalement j'ai pu l'avoir. Donc vous pouvez le voir sur cette vidéo, sur cette photo là également, regardez bien. Et du coup, plus personne ne m'embêtait par la suite, grâce à cela. Donc le passé a été mon carburant, je le précise. Alors pour ceux qui ne le savent pas peut-être, que représentent les larmes qui coulent sur ton visage lorsque tu pleures, de tristesse par exemple? Et bien en fait, il y a un travail spirituel qui s'effectue en toi. C'est une purification interne qui s'établit à travers toi-même, au fond de ton âme. Et ça te rend plus bienveillante, ou plus bienveillante on va dire, en fonction de qui il y a derrière cet écran. Je ne sais pas si c'est masculin ou féminin qui regarde cette vidéo actuellement. Mais en tout cas, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à partager tes expériences vécues. Si tu en as envie bien sûr, ça me fera extrêmement plaisir. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien plu et que vous aurez appris beaucoup de choses également avec moi. À travers ce dialecte français. Merci à tous.